17 juin 2015, Amiens, environ 3000 personnes étaient rassemblées devant le palais de justice pour le procès en appel de 9 militants de la Confédération paysanne, accusés d'avoir démonté une partie de la ferme dite des 1000 vaches. Peu avant l'audience prévue à 8h30, les sympathisants se sont donné rendez-vous afin de manifester leur soutien, mais aussi débattre de l'avenir de l'agriculture en France. Parmi les personnes présentes, nous avons aperçu quelques personnalités, dont José Bové. Pour soutenir l'action qui est menée depuis le début par les habitants de la région dans l'association Novicelle. Et je crois qu'il faut rendre hommage aux gens de Novicelle qui, malgré les pressions, malgré les élus locaux, ont su dire non dès le début à la ferme des 1000 vaches. Ce procès, aujourd'hui, ne devrait pas avoir lieu. La cour d'appel d'Amiens aurait dû renoncer et aurait dû relaxer dès l'ouverture du procès. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est qu'il y a semaine dernière, cette ferme a été enfin reconnue comme illégale. Monsieur Ramry a menti, mais ça on le savait depuis le début qu'il avait menti. Aujourd'hui, c'est Ramry qui est dans l'illégalité. Et la Confédération paysanne, avec son action, est encore reconnue plus légitime aujourd'hui qu'elle n'était hier au moment de l'action. Alors il n'y a qu'une solution dans cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre Ramry en prison parce que même mes pires ennemis, je n'ai pas envie qu'ils aillent là. Mais aussi Jean-Luc Mélenchon qui nous explique la raison de sa présence et de son soutien. Alors d'abord il y a un but humain, j'aimerais qu'on s'en souvienne. C'est que quand on criminalise l'action syndicale, c'est-à-dire qu'on veut punir les syndicalistes pour une action collective, eux ils font pas ça pour eux, ils font ça pour nous tous. Mais ce sont des individus, ce sont des personnes. Et quand on est dans la lutte, et ben des fois on a peur. Et puis quand on doit aller au tribunal, ça fait plaisir à personne. Parce que c'est toi qui es jugé puis condamné. Donc déjà il y a un côté qui est humain. Dans la lutte, il faut marquer de la fraternité humaine à ceux qui marchent devant. Première chose. Deuxième chose, après on est tous en lutte contre un modèle d'agriculture. Alors honnêtement, on pensait qu'on avait vu le pire jusque-là. Honnêtement, on pensait que bon, dans le domaine des dégâts, on ne pouvait pas faire plus. Bah si, il faut rester optimiste, on est toujours capable de faire pire. Et les fermes de 1000 vaches, c'est une espèce de totem, d'emblème du type d'agriculture qu'ils veulent faire vivre. Ça tombe à un moment très précis, qui est la suppression des quotas laitiers. Donc on a fabriqué les usines à lait, et où ce n'est pas un animal qu'on a, c'est une machine à produire du lait et du caca. Avec le caca, on fait du méthane. Et avec le lait, on va déverser ça dans les circuits commerciaux. Évidemment, comme ce sont des productions de masse, elles vont être à des prix inférieurs à ceux que pratique l'agriculture paysanne, pour ne parler qu'elle, hein, et donc la dévaster. Et à la fin, comme dans les autres domaines, vous aurez une concentration avec des méthodes de travail, des méthodes de rapport à la nature absolument dévastateurs. Et là, pour la première fois, on s'en fiche. On prend la ressource jusqu'à ce qu'elle crève. Quand la vache a fait son travail, allez hop, à l'écarissage, et elle vit dans 1,5 m de large. Voilà. Et ça, je finis là-dessus, parce que j'ai commencé par l'humain, je termine par l'humain. Ça doit nous faire réfléchir. Si on est capable de traiter des organismes vivants et des organismes sensibles d'une manière comme celle-là, alors ça veut dire qu'on est prêt à traiter des êtres humains aussi, d'une manière où, sous couvert de rationalité, on est prêt à faire n'importe quoi. Et justement, c'est ce qui est en train de se produire. On traite les êtres humains comme des pions et comme des machines à produire. Et quand elles sont plus bonnes à produire, soit parce qu'on en a trop, soit parce qu'elles sont trop vieux, on les jette. En quelque sorte, les vaches des fermes des 1000 vaches sont une espèce de symbole de ce qui est devenu notre propre existence. Nous sommes comme dans une boîte à sardines du capital. Condamné en première instance à des peines d'amende et de prison avec sursis, la cour d'appel a mis sa décision en délibéré au 16 septembre.